Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kamel Tatouage. Bon bah je crois qu'on n'est pas prêt de le revoir en France. Il vient d'aménager dans un magnifique appartement au 61e étage d'une tour à Dubaï, rien que ça. Bon l'appartement il fait 200 mètres carrés, c'est juste incroyable. Bon pour le moment il explique bien, il est en location, le temps de connaître un peu mieux Dubaï, et puis d'ici quelques temps pourquoi pas acheter une maison ou un appartement là-bas. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ils ont l'air tellement heureux tous les deux depuis qu'ils sont à Dubaï. Vous trouvez comment son appartement, les amis? Dites-moi dans les commentaires. Allez, bonne vidéo à tous. Hey, good morning, baby. Alors, t'as bien dormi? Moi, j'ai dormi comme un bébé. Alors, ça va la famille ou quoi? On va peut-être passer une petite bonne journée à Dubaï. Qu'est-ce que ça va, ami? Oui. Je leur dis. Parce que j'ai reçu 7 milliards de questions. Bon. Welcome, bienvenue dans notre nouveau chez nous à Dubaï. Je vais te montrer un petit peu comment ça se danse. Je t'ai dit que j'allais te parler d'immobilier et parler tout. Bon, on a bugué. Attention, on fait pas les mythos qu'on vient d'acheter une nouvelle maison. Non, non. On a loué un truc très sympa. Et on se dit une petite année pour voir où est-ce qu'on veut acheter. Où est-ce que... Parce qu'en vrai, t'as vu, t'arrives dans un bled. Tout le monde te dit, ouais là-bas c'est mieux, ouais là-bas c'est mieux. Mais ici, tout est mieux. Et donc, on va se faire une idée. On va rester au moins un an ici. Et après, on verra. Mais je te montre un petit peu comme ça après. T'as vu, toi aussi, si tu veux t'installer, si tu veux voir, ben, tu pourras avoir une idée. Commence la visite. Vas-y, je vais faire l'agent immobilier comme si je voulais te le vendre. Et attention, mesdames et mesdames. Bon, on habite dans une tour, mais c'est un hôtel, on a le service hôtelier, le concierge, les voitures. Vous voyez, tout comme si tu étais à l'hôtel, tu vois. Voilà. Même ta clé, c'est... Il n'y a pas de clé, c'est une carte. Bon, regarde, ici je te montre. Pour l'instant, c'est le deckboard. Là, c'est la maid. Ça, c'est la chambre et la salle de bain pour la femme de ménage. Voilà, sa petite salle de bain et sa chambre. Voilà. Et nous allons rentrer dans notre appartement. Je te montre tout comme en vrai. Moi, je fais pas le Tommy. Voilà. Là, regarde. On a une petite fuite d'eau sur le Kébélé. Voilà. Mais ça, c'est la toilette pour les invités quand ils viennent. Et là, tu arrives à la maison. Voilà. Et ça se passe comme ça. Comme ça. Ah ! Il y a même une petite meuf du Périgord. Voilà, je kiffe la cuisine, je kiffe l'espace. Voilà, regarde. C'est très bien, c'est sympa. Le salon, il est tellement grand que la télé, on dirait un iPhone. Ma parole. Je kiffe la cuisine, ma parole d'honneur. Voilà. Et voilà. Si comme ça. Ah ! Ça, c'est une chambre d'invité. Tu vois ? Voilà. Une petite chambre d'invité. C'est sympa. Attention, on est au 61e étage. Salut toi ! Ah ! Une deuxième chambre d'invité. Mais cette chambre, elle peut s'appeler que Kyle et Mekki. Voilà, avec son balcon. Et une autre salle de bain ici. On a réquisitionné les salles de bain. Donc on a dit une pour madame, une pour monsieur. Et là, il y a la master. Et là, c'est la chambre de le papa et de la maman. Ça s'appelle la master room. L'appartement, il est énorme. Il fait 200 mètres carrés. Voilà, je te montre un peu. Il y a du dressing. Voilà. Et il y a même un mec sympa. Salut toi, ça va bien ou quoi? Voilà, donc voilà notre chez nous. Voilà, c'est très sympa. On kiffe. Je crois qu'il y en a une qui kiffe encore plus que tout le monde. Ah, madame Tatouage. Voilà. Bon, bienvenue à la maison, chérie. Elle m'a chauffé. C'est moi. Tout ça, c'est elle. Ma parole. À l'origine, je suis venu à Dubaï en vacances. Après, le business, ça passait bien. On a dit, on va rester. Donc, on a commencé à visiter. Et tatati, et tatata. Après, il fait vraiment bon vivre ici. T'as vu, nous, on va pas faire les mecs, on fait expat, on est parti. Non, non. Là, ici, c'est notre nouveau pied à terre, tu vois. Voilà. Là, l'appartement, il fait 200 mètres carrés. Il y a 3 chambres, 4 chambres avec celle de la maid. Il est énorme. On y fait bon vivre, dans une tour sympa. Il fait beau toute l'année, alors pourquoi se prendre la tête? Quand tu peux, t'as vu, alhamdoulilah, bon Dieu, il m'a laissé. Tu vois, on a tous eu des galères, on a eu des hauts, des bas, mais aujourd'hui, je peux, donc on va en profiter un petit peu.
Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est notre nouveau chez nous. Voilà, je reçois des dizaines de messages. Et pourquoi t'as fait les courses à Carrefour et nanani? C'est un appartement, il est meublé. Il est meublé avec les meubles et tout. Mais tu connais la musique, faut acheter ta cafetière, ton truc, tes aspirateurs, tout l'électroménager. Bon, pas la machine à laver, pas le lave-vaisselle, pas les plaques, tu vois. Mais en vrai, il y a tellement de trucs à acheter dans une baraque comme ça que voilà. Donc c'est très sympa, et on va y passer un petit peu du temps, on va même commencer à faire des omelettes ici. Mais j'aime bien, il fait bon vivre ici. Mais bouge pas ce soir, je te montre la vue. C'est quelque chose. Dubaï, c'est quelque chose. Attends, mais je vais te montrer déjà un petit peu. Je te montre un petit peu. Là, c'est la vue, mais c'est la vue la journée. La nuit, c'est beaucoup plus beau. Oui, j'ai plus de force ou quoi? Quand même, qu'est-ce que... Ah. Et ça, c'est mon petit balcon. C'est un appart, le balcon. Regarde comment il est large. Et là, c'est du Dubaï. Et c'est là qu'il va y avoir la tour la plus haute du monde. 1 km. Ladies and gentlemen.